Le plaisir du désordre et digression et autres détours avant de jouer. Et sinon... T-minus 15 seconds. T-minus 15. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Dans le tout premier Carrefour, en 1992, il y en a sûrement parmi vous qui s'en souviennent, la tragédie comique avait été le gros hit du festival. Le spectacle avait ensuite fait le tour du Québec, une tournée d'une quarantaine de dates organisée par le Carrefour. Et on avait accueilli le spectacle à nouveau en 2009. C'était la première fois qu'on accueillait un spectacle pour la deuxième fois, pour souligner le 10e festival. Ève Bonfanti et Yves Onstad sont un peu nos chouchous, ceux du public aussi. Et j'ai eu envie de les offrir en guise de cadeau pour ce 20e Carrefour. C'est un événement spécial, en deux volets, même trois. Donc, ça débute par un film qui s'appelle « Le plaisir du désordre ». Ensuite, il y a un 5 à 7, où vous êtes tous conviés, mais qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, il y a le spectacle qui s'appelle « Digression et autres détours avant de jouer ». Donc, projection d'abord d'un formidable documentaire sur leur travail, réalisé par Christian Rouault, un réalisateur français qui a suivi Ève et Yves dans leur travail d'écriture et de répétition pendant 3 ans. Ensuite, pause ravitaillement, 5 à 7 qui aura lieu à notre nouveau Zinc, situé à la Nef, coin Saint-Joseph et Caron, donc à 2 pas du théâtre, ça va se passer, le spectacle sera présenté au Théâtre de la Bourgogne. Puis on enchaîne avec le spectacle Digression et autres détours avant de jouer. Les spectateurs retrouvent donc les protagonistes du film En chair et en os sur scène. Et c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'une actrice et d'un acteur qui travaillent à la création d'un spectacle dont ils ont déjà présenté plusieurs versions, mais aucune d'entre elles ne les a convaincus qu'ils avaient vraiment trouvé ce qu'ils cherchaient. Or, ils se sont engagés à en jouer la version définitive en ouverture d'un important festival de théâtre à l'étranger. Moi, quand je l'ai vu en Europe, il s'agissait du Carrefour, mais je ne les avais pas encore invités. dans leur histoire, à ce moment-là, les techniciens et le décor sont déjà en route, le spectacle est très attendu et ils sont encore dans le doute. Donc, ils nous font imaginer ce qu'ils ont prévu de jouer à ce festival, comme si on était un public test. Évidemment, chemin faisant, le spectacle se construit devant nos yeux. Ils partagent avec nous leurs intentions, leurs questionnements à propos de la création dont le processus semble toujours nous échapper quoi qu'on fasse. Donc, c'est vraiment comme s'ils créaient le spectacle en direct devant nous, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est écrit à la virgule près. C'est vraiment brillant, très bien ficelé, très fin, très sensible, plein d'humour et très touchant.